l'IMO off ou intervenir dans les calculateurs automobiles. L'IMO off ou la désactivation du système d'antidémarrage est une pratique courante dans le domaine de la programmation des calculateurs automobiles. Cependant, la question cruciale qui se pose est la suivante. Dans quel calculateur doit-on intervenir pour effectuer avec succès l'IMO off? 1. Le calculateur de gestion moteur ECU. Le premier point de considération est souvent le calculateur de gestion moteur. Cette ECU, Engine Control Unit, est au cœur du contrôle des paramètres du moteur. Dans de nombreux cas, l'IMO off peut être réalisé en travaillant directement sur le calculateur. Les procédures varient selon les modèles et les marques, mais l'ECU est souvent impliqué dans la désactivation de l'antidémarrage. 2. Le calculateur d'antidémarrage, autrement appelé immobiliseur. Une autre cible fréquente est le calculateur d'antidémarrage. Ce composant est spécifiquement dédié à la sécurité du véhicule et peut comporter des dispositifs tels que des puces électroniques. La désactivation de l'immobiliseur dans le calculateur peut permettre le démarrage sans nécessiter la clé d'origine. 3. La spécificité des modèles et des marques. Il est crucial de noter que la réponse à la question de l'emplacement exact de l'IMO off peut varier en fonction des modèles et des marques de voitures. Chaque constructeur automobile peut avoir une approche différente en termes de conception électronique et de sécurité. Les recommandations préliminaires avant d'entreprendre toute modification dans le but de réaliser l'IMO off est fortement conseillé de consulter les documents techniques du véhicule spécifiques, les manuels du fabricant, les schémas électriques et les informations techniques peuvent fournir des indicatifs précieux sur l'emplacement optimal du calculateur à cibler. Mais vous devez savoir que dans la plupart des cas, l'IMO off se fait généralement dans le calculateur de gestion moteur, malgré la présence de l'immobiliseur autrement appelé du calculateur d'antidémarrage. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous.